Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis à la Cité de la Gastronomie, mais je ne suis pas toute seule. En face de moi, des amis, des vrais amis, les yeux d'Olga. Vous vous souvenez? J'ai eu l'habitude de les suivre un petit peu partout. On avait pu les voir en concert. Et puis, je vais vous dire un petit secret. J'ai eu le dernier EP qu'ils avaient fait, mais non, c'est une blague. Il y en a un nouveau qui sort vendredi pour Genlis. Alors précipitez-vous parce que ça vaut le coup. Je vais leur passer le micro, ils vont se présenter et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller les voir vendredi soir. Parce que franchement, je sais même pas si je vais pas d'ailleurs prendre vendredi et samedi. Parce que on va peut-être te doubler le plaisir. Parce qu'avec eux, le plaisir est toujours partagé. Allez, je vous passe le micro, vous présentez. Puis vous allez vous parler un petit peu de vous parce que c'est la première fois où c'est que je peux vous avoir tout seul, vous imaginez? Donc bonjour, moi c'est Guillaume, donc je suis guitariste chanteur du coup dans le duo Les Yeux d'Olga. Voilà, je fais de la musique depuis l'âge de 15 ans, j'ai un studio à la maison aussi d'enregistrement. Voilà. Là on va sortir un EP du coup vendredi soir, donc vendredi 16 février à la salle L'Odéon à Genlis, qu'on pourra acheter en exclusivité donc en format physique, et il sortira ensuite sur les plateformes courant de l'année, on ne sait pas quand exactement. Voilà, je te passe le micro. Bonjour, alors moi je suis Océane, je suis la partie féminine du duo Les Yeux d'Olga. Et que dire, je suis musicienne depuis toujours en quelque sorte, dans la mesure où j'ai pas fait d'études pour être musicienne. En fait je chante, c'est assez instinctif, et depuis très longtemps, depuis que je suis petite. Avec Guillaume, on s'est rencontrés en 2017, donc le projet existe depuis 2017, et là, l'EP qu'on est en train de sortir, qui va sortir donc vendredi soir au format physique, il est né là, dans les deux dernières années. Ça a été beaucoup de travail, le temps que voilà, nos deux univers se mélangent bien, mais on est très contents de ce qu'on a réussi à sortir, et on espère avoir été le plus authentique possible dans les titres. Voilà. Pour la petite présentation. Alors là, on a fait la présentation. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que moi, j'ai eu un petit peu en off ce qui va se passer vendredi et samedi. Et moi, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Parce que mon duo préféré à quatre mains, c'est pas que du texte là. C'est carrément quelque chose de magistral. Donc moi, déjà, je vous conseille de venir. Puis on va parler de ce super concert. On est bien d'accord? Allez, je vous repasse le micro. Alors du coup pour le... Qu'est-ce que je te dis sur le concert du coup exactement? Tout ce que vous avez envie de me dire. Ouais. Bon du coup comme je disais, c'est que du coup ça va être ce qu'on appelle une release party. Donc c'est un concert où on sort un disque. Donc du coup les gens pourront l'acheter à la fin du concert du coup. Pendant ce concert là ils vont découvrir les morceaux qui seront sur ce disque. Donc si ça leur plaît et d'autres. Mais ils pourront aussi se dire voilà à la fin ça m'a plu. Je pars avec le support qui me permet d'écouter la musique que j'ai entendue pendant le concert. Ça c'est une première chose. C'est pas juste un concert lambda, voilà. On aura aussi des invités parce que quand on a fait l'EP, on a eu des musiciens additionnels. On a un pianiste, un ami à nous qui s'appelle Rémi Châtelut du coup, qui sera là aussi sur scène avec nous sur quelques titres. On aura un percussionniste qui viendra aussi sur quelques morceaux. Et puis on a une super première partie, deux filles qui s'appellent Does With Bobs, avec lesquelles on a prévu un petit truc aussi, voilà, qui elles joueront une demi-heure avant nous. Et nous, on fera le concert après, voilà. Et puis, il y a le guitariste. Il ne sera pas là. Ah. On a eu aussi Daniel Fernandez qui est venu faire quelques guitares sur l'EP, mais qui sera en studio, donc il ne pourra pas venir. Et on a une violoniste aussi qui est venue faire des violons, mais qui, elle, est aux Caraïbes. Donc, madame se prend des vacances. Donc, je comprends qu'en même temps, elle n'a pas que ça à faire de venir jouer avec nous sur scène. Je peux dire, bon, moi, à sa place, je serais aussi sur un bateau. Je pense que je comprends. Voilà. Donc il a globalement tout dit, je vais pas rajouter grand chose. Je voulais juste dire que... Mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. On peut réserver où les places? Ah oui. Donc, très bien, merci Sylvie. Donc c'est vendredi à 20h30. Première partie qui commence à 20h30 à l'Odéon à Genlis. Les places sont réservables sur le site de Genlis. Réservation conseillée mais pas obligatoire, donc surtout si vous êtes à la bourre vendredi et que vous vous dites oh non j'ai pas réservé, c'est mort, je peux pas y aller, venez quand même parce que ça sera en jeu. Oui, en je pense que voilà, c'est pas places, de toute façon la billetterie se fait, les places se règlent sur place, donc venez, n'ayez pas peur, ne vous dites pas mince, il est jamais trop tard. Sinon on peut réserver sur le site de genlis.fr,
en tapant les yeux d'Olga. Il y a une section spectacle dans le site et là on tombe directement sur un formulaire à remplir. On rentre son nom, etc. et comme ça on réserve. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que, donc juste pour recompléter ce qu'il disait, donc vendredi soir, il y aura notre spectacle d'environ... Nous, on jouera environ 1h15, 1h20, je pense. Donc, on présentera les titres de l'EP, mais on va aussi retrouver nos titres d'avant, les singles qu'on a sortis ces dernières années. Il y a un titre, je crois, qu'on va refaire de l'ancienne EP. Donc voilà, c'est les gens qui sont familiers avec tout ça et qui aiment les choses d'avant, il y aura tout ça, on continuera à les chanter évidemment. Et puis voilà. Oui, alors ta chanson préférée, elle s'appelle Fields of Whales et en fait ça veut dire littéralement en anglais chant de baleine. Il y a un petit jeu de mots avec chant parce que c'est pas le chant chanté, c'est le chant vraiment comme un chant de blé. Et c'est vraiment un hommage aux baleines qui, effectivement, toi, t'as eu un peu en avant-première et qui t'a beaucoup touché. Donc, on est très contents. Et on espère que ça touchera un maximum de personnes aussi vendredi. Et juste une petite précision. Donc, le concert est vendredi soir. Les CD seront disponibles en exclusivité. Donc, en fait, les gens qui seront présents vendredi soir seront les premiers à pouvoir acheter l'EP. Et à partir de samedi matin, il pourra être disponible via notre page web, donc lesyeuxdolga.com sur internet, et vous pouvez l'acheter comme un achat sur internet lambda par carte bancaire. Et vous le recevrez chez vous. Comment ? On le reçoit chez soi. C'est ça. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup parlé. Alors l'EP, en fait, c'est un EP. Nous, notre style, c'est de la chanson. D'accord, donc on raconte des histoires, donc en fait, c'est un EP qui s'est... Merci, c'est gentil. C'est un EP qui se veut un peu solaire, on va dire qu'il est pas... Bon, les thèmes qu'on aborde sont pas toujours très gais, mais par contre, on n'a pas envie que ce soit plombant. C'est pas le but, parce qu'on aime bien l'espoir quand même. L'espoir, c'est bien. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est un EP voilà, qui raconte des choses un peu personnelles, ou pas d'ailleurs, mais sur une touche un peu positive. Voilà, donc c'est un EP de chansons. J'aime bien dire que l'EP s'appelle À l'intérieur, donc du coup il y a ce côté un peu intériorité, un peu secret, il y a un peu ça, c'est-à-dire que c'est de la chanson mais c'est un peu comme un écrin de douceur dans lequel on livre un secret aux gens, c'est un petit peu ça. Donc les arrangements, la musique, elle est comme ça, elle est un peu feutrée, elle est un peu... on est sur quelque chose de doux, de chaud, voilà, c'est, pour moi c'est un peu comme ça que je vois l'EP. Voilà. Six titres, et puis il y a vraiment aussi ce rapport à nous deux aussi. Parce que c'est vraiment ça, au final, dans cette EP-là, on fait plus qu'une seule personne, au sens où c'est nos deux voix qui s'entremêlent, tout ça. Donc c'est vraiment ça, le socle de l'EP, c'est ça, c'est nos deux voix, on raconte l'histoire à deux. Et il y a aussi ce lien qu'on a ensemble, quoi, parce qu'on est en couple aussi dans la vie, donc il y a aussi ce côté relation. Nous deux contre le reste du monde. Voilà, si tu veux. Là, elle vient de plagier Ben Mazuet, n'est-ce pas? Je le plagie pas, je le cite parce que je l'aime. Il y a six titres dans l'EP, cinq titres en français, un en anglais, parce que Les Yeux d'Olga, on a décidé de vraiment rester sur une dominante en français parce que voilà, les textes sont importants, on a envie que les gens, on est en France, on a envie que les gens puissent rentrer dans notre univers et comprennent ce qu'on dit. En revanche, à l'instar de l'EP que tu as, Easyland, on est quand même très, très attaché à la pop anglaise et l'écriture en anglais. Et du coup, en fait, on n'avait pas envie de se priver et de se dire il faut absolument qu'on choisisse. Donc en fait, il y a cinq titres en français, mais un en anglais. Parce que durant le concert, il y aura des deux, de l'anglais et du français. Parce que voilà, pourquoi se priver ? Au final, quand on est artiste, on est là pour dire et faire comme on le veut. On a beaucoup d'influence anglaise quand même dans ce qu'on fait. Oui, puis on aime. La chanson, moi je suis très fan de Radiohead par exemple. Je suis très fan de Radiohead, donc du coup c'est tous des climats aussi que j'aime, donc j'ai pas envie de me priver de ça. Voilà. Alors moi maintenant j'ai le droit de dire ce que j'aime chez vous. Un, c'est votre gentillesse. Parce que votre amitié aussi qui me touche énormément, parce que vous pensez toujours à moi. Pour vous mettre à l'honneur, parce que pour moi c'est un réel plaisir. J'adore vos chansons parce que franchement on se retrouve, tout le monde peut se retrouver dans vos chansons, c'est-à-dire qu'il y a des chansons un peu plus tristes, un peu plus gaies, mais dans toutes vos chansons, n'importe qui, moi la première, je m'y retrouve, je retrouve ma vie grâce à vous, grâce aux yeux d'Olga, grâce à vos titres, grâce à vos chansons, que ce soit dans le texte, la musique est géniale. Enfin, franchement, moi, je vous adore. Et ça, c'est, vous savez que j'ai pas l'habitude de passer de la pommade. Hein, vous me connaissez un peu, donc voilà. En tous les cas, moi,
une chose, et ça je le dis pour tous les gens qui vont vous voir, non seulement ils peuvent l'acheter, mais ils peuvent l'offrir. Moi, c'est ce que je fais. Et en plus, je vais vous dire une petite chose, je ne sais pas s'ils le feront, mais moi, le premier EP que j'ai d'eux, ils me l'ont dédicacé. Et je trouve que c'est génial, parce qu'en fait, vous pouvez acheter l'EP, et puis le faire dédicacer pour quelqu'un de votre famille, vos amis, vos relations, au bureau, n'importe quoi. Un petit cadeau personnalisé, je peux vous dire que c'est génial. Parce que les gens, quand ils ouvrent, et puis qu'ils voient leur prénom ou leur surnom sur l'EP, ils disent, tiens, c'est quelque chose de plus que d'aller l'acheter comme ça bêtement. C'est bien d'acheter bêtement, mais c'est encore mieux de l'avoir dédicacé. C'est encore plus de valeur pour les gens qui le reçoivent, et ceux qui le donnent, ça leur fait encore plus de bonheur de pouvoir offrir quelque chose de personnalisé. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre la main à la poche, acheter l'EP, et puis venir voir le spectacle, parce que c'est pas le tout de dire, ouais, on va acheter l'EP. Non, faut les voir en vrai, parce que ça va donner, il y a du lourd sur scène. Vous pouvez repartir avec l'EP, bien évidemment. Qui c'est qui repartirait comme ça, les deux mains dans les poches? C'est impossible. En tous les cas, je vais vous dire un petit secret, moi. C'est que je vais être la première à l'avoir, parce que moi, mon EP, il était déjà en précommande. Donc voilà. En tous les cas, merci à vous. On se retrouve vendredi soir, là-bas, à Genlis. Alors, je vais vous repasser le micro, que vous nous donniez bien les horaires, ainsi que votre site et ainsi de suite, pour commander l'EP dès samedi, pour ceux qui, malheureusement, sont trop loin de Genlis ou de Dijon. Okay. Alors le concert du coup aura lieu à Genlis à la salle de l'Odéon, ça commencera à 20h30, voilà. Vendredi et samedi. Juste vendredi soir. Oui, c'est le vendredi 16, pardon.